Et coucou, c'est les successeurs de Disney pour notre fameuse vidéo qu'on ne sait pas, c'est pas forcément une vidéo annuelle, mais on l'a fait quand même. Bah oui. J'étais dans mon magasin et je me promène et je me dis, tiens, il y a les trucs de Pâques, il y a peut-être un truc Disney. Oui, il y a un truc Disney. Mais devinez quoi? Mais c'est bizarre, dis donc. Que ça pourrait être? La reine, pourquoi ils ont pas fait Wish? Ouais, carrément. C'est vrai au final, pour changer. Donc voilà. Là, parce que tu l'as dit, ça a pas marché. Ben oui, bah alors, mais c'est ça, va Yana pour lui faire de la pub. Tant qu'à faire. Donc, comme d'habitude, oui, on fait des œufs, encore une fois, genrés. Hein, à une époque, ils avaient, je sais pas, il y en a certains qui réussissent, mais on a quand même rose, bleu et vert, comme vous pouvez le voir. Hein. Ah, il y a trois couleurs, oui. On en profite pour en parler, il y a quand même les trois couleurs. Mais vous avez bien. Bon, ils ont mis Olaf au cas où. Au cas où. Mais comme d'habitude, il n'y a pas Anna. Et donc, du coup, vous avez les œufs, la Reine des Neiges. Et c'est les deux mêmes affiches. On va dire que ça fait fini, n'est-ce pas? Oui, c'est les deux mêmes. Et en dessous, enfin à côté, vous avez, bizarre, Hot Wheels, des petites voitures. Ah, c'est pas, oh non, on n'a pas genré avec les couleurs. Ça aurait pu être mais... Donc on a fait ça, donc la dernière fois, l'année dernière, quand tu te rappelles, on avait eu Mulan. Mm. Oui. Et on n'avait pas eu de bol, on s'est dit, tiens, et on a eu les deux Mulan. Ouais. Donc je ne sais pas combien il y aura de jouets là-dedans. Mais voilà, déjà... Si c'est ça, c'est dégueulasse. Non, je pense pas. Ça, c'est... Ils font comme... Ça fait depuis 2-3 ans ouais. qu'ils mettent un truc à scanner avec une appli pour que tu vois Elsa qui se promène sur ta table. Fascinant. Wow. réalité augmentée, donc voilà. Et t'en vois de la neige. Les gens blasés du truc. C'est quand même une révolution un peu, quoi. Non, mais personne... Ouais, t'as Elsa qui bouge sur ta table, c'est vachement bien. Je crois que personne ne fait, hein, franchement. Moi aussi. Et ben on va lui Tada! C'est un œuf Kinder. On peut même jouer au rugby avec. Alors on va dégager ça. Regarde, il y a le truc. Tu le poses. Ah! Et pas. Ah mais tu voulais le truc le papier? Non, non, je veux jouer au rugby. Bah tiens, je te donne. Avec. Non, attends, mais il faut la facile. Ah, attendez. Je connais pas les règles du rugby. Vas-y. Tu l'avais fait l'année dernière. Attends, mais je le refais alors. Tu l'as fait. Et bah, ils ont vu que tu mais il est violent celui-là! Mais non, mais c'est comme dans les œufs normaux. Les œufs normaux? Les œufs normaux. Normal. Tu peux pas le casser? Pourquoi? On t'apense sur le haut de l'œuf. Pourquoi? Et bah, t'es mais comment j'avais fait l'an dernier alors? Il devait être légèrement. Non, mais t'as tapé dessus, mais tu l'as pas cassé. Ah! Mais t'aurais pas pu me le dire. Voilà, bon, servez-vous, mangez, hein, mais je sais. Non, mais je t'ai dit, t'as fait comme ça, je t'ai pas dit, fais comme l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'après vous? Elsa. Olaf. Olaf. Olaf! Et il y a Olaf! Il y a Olaf et Anna. Ah. Par contre, ah bah voilà, elle était pas sur la jaquette, mais elle est sur. Par contre, sur la jaquette. Non, ouais. Ah. Emballage. Oh putain. On a toujours des trucs. C'est. C'est-à-dire. C'est magnifique. Qu'est-ce que ça consiste? Il a pas de pied, Olaf. Attends, parce que. Il faut... Qu'est-ce que. Bah regarde, tu fais les pieds. Tu dis, on dirait qu'il y a une petite jupe. Pardon. Ah, c'est ses cheveux. Il y a les cheveux. Ses bras. Tiens, vas-y, il faut l'incruster dedans. Ah, c'est bébé Anna. C'est sa colonne vertébrale. Ah, elle veut dire un bonhomme néné. Tu te rappelles l'année dernière, on avait eu Mulan, mais sur les stickers, parce qu'il y avait des stickers, il y avait Mulan qui faisait un câlin à Belle. Elle bouge les bras. Tu te rappelles? Oui, elle bouge les bras. On avait l'année dernière, on avait un truc comme ça, un sticker d'hologramme, un sticker d'autocollant. Et t'avais Mulan, parce qu'on avait eu l'œuf Mulan, avec plein de stickers Mulan, et à la fin t'avais Mulan qui faisait un câlin à Belle. C'est vrai. Que tu vois Mulan et Jasmine, etc., les uns à côté des autres, d'accord. Mais le fait qu'ils se fassent un câlin, c'est super. Ça lie les univers, c'est bizarre. Mais bah, en fait, à un moment, t'es pas obligé de lui mettre ses pieds, hein. Non. Parce qu'en fait, j'ai oublié, si tu veux, faut l'insérer dans le truc. Et j'ai pas inséré. Attends, mais j'arrive même pas à lui insérer les bras. Ah, bah, je suis pas dans le bon sens, j'ai peut-être pensé. Moi, je vous regarde. Pas facile, ah oui, hein. Comme ça, c'est... Maintenant, je l'ai reclipsé et ben j'y arrive. Ah, si, ça y est. C'est bon, ça, j'en mange qu'à Pâques, en fait. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air bien, Olaf. Ben. Pourquoi j'arrive pas? C'est vrai qu'il est hypnotisé. Ben ouais. Il a pas. Ces gens ils ont hypnotisé Olaf. Ok, c'est en haut. Non, c'est pas comme ça. Ouais, il fait un... on le reconnaît, hein, mais... Bah, parce que c'est un bonhomme de neige, mais même... Mmh. Non, franchement, même c'est... Mais c'est à cause des yeux... Ouais, mais c'est normal, il faut que ce soit grossier, mais... Tu vois? Oh, ouais, tu vois. Écouté. Même quand tu regardes la gueule. Bah, oui, il a... Et bah, peur. Il a pas le tour des blancs... Le tour voilà, des c'est yeux, ça. Ouais. Il a pas le tour des blancs yeux. Elle fait peur, quand même, hein. Ouais. Elle a fait Olaf. Il est
pourquoi elle bouge les bras? Ça veut dire aidez-moi, je suis contente. Je sais pas moi. Non, c'est, voilà, c'est juste pour dire qu'elle est animée, il bouge pas les bras lui. Bah non. Non, sinon il bouge la mèche. Mais en fait, ils sont hypnotisés tous les deux. Pardon. Ils sont très beaux. Hein. Mais les traits sont beaux, mais les yeux. Désolé, j'espère que vous les verrez bien. Ils sont flippants quand même. Peut-être faire une espèce de mise au point, je sais pas trop, je suis désolé, mais. Mais Olaf, ouais. Encore Anna, non, ça peut passer, mais les yeux, c'est vrai. Mais non, que... non, ça passe pas. Mais non, elle va bien. Tu sens qu'elle a... elle a pris de la drogue en fait. Et maintenant. Elle a des alus, t'es. Ouais. Elle a bouffé la neige à Olaf. L'abus de drogue n'est pas bon pour la santé. Est-ce qu'on va être maudit comme l'année dernière? J'aimerais. Si t'as deux fois la même chose, c'est con. Non, non, mais cette fois c'est Elsa ou. Mais il faut avouer une chose. Sven. C'est qu'au moins vous pouvez faire garçon et fille. Il y a deux si persos vraiment. À chaque fois, ouais, ça peut être. Ben n'empêche, ça fait. C'est pas mal qu'il y ait deux persos. Oui. Là qu'on y pense. Au prix du Kenya, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. Pour dire, il coûte. Au prix euros. Du. Il coûte 8 euros. C'est bon ce machin. Mais ouais. J'en mange... Je crois que j'en mange que. Que la Pâques. Que la Pâques, ouais. Oui. Non, Noël aussi. Ah oui, remarque. Vas-y. Tiens, ma casse-toi. Non, vas-y. Vas-y. Attends, mais non, mais vas-y. Essaye, toi. Là, vas-y. Là, normalement, ça devrait vous voyez pas, c'est dommage, mais. Elle l'a mis sur le côté. Il y a beaucoup pas. De sang. Waouh. C'est beau, hein. Trois fois. Trois. Oui, mais regarde. Ouais. J'ai vu une œuvre. Magnifique, on dirait un œuf de bébé dinosaure. Une œuvre. Il y a un dinosaure dedans. Attention, le suspense est à son comble. Donc, ici, on veut Elsa. C'est le même! Oh! On est maudits! Mais il y a deux les mêmes en fait! Non, non, c'est juste qu'on est maudits! T'es sûr? Bah oui! C'est pas grave. Du coup, on va pouvoir continuer à manger en. Eh bah, tu fais un concours et tu m'envoies à tes abonnés. Bah, le pire, c'est que. Je vais vous faire gagner. Ce magnifique Assemblée des Vilains. C'est un loup-garou, on y a joué ensemble déjà. Ah oui! Que j'ai déjà mon association. Et donc, j'en ai un à faire gagner. Il faut mettre un commentaire à la marée, je participe. Il faut que vous ayez Facebook. Pour qu'on puisse mieux correspondre, que vous habitiez en France, très important, parce que j'avais eu une gagnante au Canada. Ah oui. Pour lui envoyer sa poupée, elle avait gagné une poupée Elsa. Mmh. Chaud. Non, c'est pas vraiment les frais de port, c'est juste que je les ai envoyés. Mmh. Ça m'est revenu. Il a fallu que je le renvoie dans un truc précis. Donc oui, c'était un peu plus cher, mais il fallait pas l'envoyer par la poste classique et c'était à moi. Enfin bref. Vous habitiez en France. Et que j'en ai d'autres? Que vous aimiez le chocolat. Vous aimez le chocolat. Donc pas en bouffant du chocolat. Non mais de... D'avoir Facebook. D'avoir Facebook. Mmh. Et participe. Et participe. Être abonné. Et être abonné. Ah oui, abonné. Et puis voilà. Et on verra quand c'est qu'on vous le fait gagner d'ici quelques semaines. Voilà, je marquerai sur Facebook. De toute façon, je marquerai dans les commentaires quand on ira le sélectionner. Je dis hop, viens nous voir sur Facebook. Voilà. Et du coup, pour continuer... On est en train de manger un peu. Moi et Mag, on a déjà énormément parlé de ce qu'on pensait de la Reine des Neiges en général. Et comme on est sur un truc, la Reine des Neiges, qu'est-ce que t'en penses, toi? De la Reine des Neiges? Ouais. En général. En oubliant le côté que ça nous a bassiné, libéré, délivré, vraiment, les personnages, les musiques. Bah, mine de rien, c'était... Enfin, révolutionnaire, c'est peut-être pas le mot, mais... c'était quand même vachement nouveau dans Disney, deux princesses. C'est vrai. Mmh. Deux héroïnes, ouais. Voilà, deux héroïnes, plus de parents. Parce qu'en général, il en reste toujours un. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai qu'en général, il y a toujours une figure. Et oui, si, de base, l'idée était bonne. De base. Mais après, ça a merdé à un moment donné. C'est qu'on en a trop mangé, quoi. Ouais, du chocolat. Hein, on a trop mangé. Hein. J'adore Olaf. On va finir comme ça. Moi, je veux trois Olaf. C'est ça. Je veux trois Olaf dans ma vie. Mais tu veux, je te le donne. Ouais, bah celui-là, il me fait peur. Au-dessus du lit. Mais encore une fois, ouais, un live action ou un La Reine des Neiges, 1, 2, 3, 12. Le 1 suffisait. C'est mieux quand il y a une fin. Oui. Les petites extensions, je sais pas si ça marche pour ça aussi, mais genre l'anniversaire des courts-métrages. Oui. Les courts-métrages, c'était mignon, tu vois. Bah, c'est bien. Cool. Mais c'est tout. Il y en avait deux ou trois, je crois, même. Il y a l'anniversaire, il y a un truc sur Olaf, ouais, je crois. Avec tous les bonhommes de neige. Oui, oui, il fait les histoires des traditions ou je sais pas quoi. Non, les bonhommes de neige, c'est l'anniversaire. Ah, c'est l'anniversaire? Oui, parce qu'elle est éternue. Ah, mais j'ai peut-être vu que celui-ci alors. Elle est éternue, il est paf, bonhomme. Il y a un récent avec les traditions de Noël où Olaf il va toquer à toutes les portes pour demander quelle est votre tradition, quelle est votre tradition. D'accord. Et bizarrement. Ben, j'ai vu que ça. Bah, après, j'ai l'impression qu'il y en a un troisième, mais. C'est bien. Comme on avait dit.
elle change de robe. Donc forcément, des nouvelles poupées. Oui, oui. Mais après, tu vois, ça me dérange pas que ce soit une licence qui fasse beaucoup d'argent. Parce que les films, globalement, je les aime bien. Oui, oui, oui. Mais surtout grâce aux musiques, je le répète. Le premier, le scénario est trop simple, donc il n'y a rien à dire de spécial dessus. Mais vraiment, quoi. Et le deuxième, le scénario est plein d'incohérences, j'en ai déjà parlé. Pourquoi est-ce que les humains qui vivent dans la forêt ont bué, là, ils savent comment gérer les titans de terre, alors qu'apparemment, c'est Elsa qui est censée les avoir libérés, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça que je comprends pas. Mais... Mais sinon, les musiques. Oui, par contre, ouais, les la musiques. La musique, quand elle rejoint la voix de sa mère, mais j'en pleure même encore aujourd'hui, hein. Quand je me fais l'image de. Dors, mon enfant, n'aie plus peur. Et après l'autre, rien ne meurt. Bah, si, moi, connasse. C'est vrai. Mais je me suis toujours attendu quand je l'ai vu, je me suis dit. Attends, c'est pas tout, mais attends, ils vont revoir. Mais attends. Là, j'ai dit, ils vont revenir. Bon, c'est pas mon Disney préféré, mais ça passe. Non, mais moi non plus. Si, ça passe. Moi, c'est Pocahontas et Frères des Ours. J'ai fait vraiment le classement il y a pas très longtemps avec Jotis. Et vraiment, après, il y en a beaucoup, voilà, ça se bouscule parce que tu sais, j'ai toujours dit que j'avais. Mais Frères des Ours et Pocahontas quand même. Frères des Ours, quand je l'avais vu petit, j'avais aimé. Mais quand j'ai vu plus grand, mais je pleure. Mais je pleure. Mais oui, mais c'est insupportable. Il y en a eu deux là aussi. Ouais, j'ai oui. vu le deuxième. Le deux, c'est encore une fois pour tirer. Tirer sur la corde. Je vous explique le speech, la vidéo est pas très longue. Tu m'avais dit, je crois. Ouais, dans le deux, en fait, il y a une fille de son village qui veut se marier. Voilà. Mais elle peut pas se marier parce que quand elle était petite, elle avait conclu un pacte avec les esprits comme quoi elle finirait avec Kinaï, le mec qui a fini en. Et du coup, on la suit. Elle, pas très longtemps toute seule, et elle veut le chercher. Elle le trouve, et en fait, il doit faire un truc tous les deux pour annuler ce truc. Et forcément, pour aller lui parler, elle doit être transformée en ours. Et elle tombe amoureuse de Kinaï en ours. Et forcément, t'imagines bien que du coup, bah, ils ont une grande famille à la fin, voilà. Je me souviens pas exactement, mais le speech est ça, désolé de spoiler, mais bon. Mais on a l'autre petit ours, il est encore là aussi. Ah oui, Koda. Ouais, oui, oui. Et il est un peu jaloux parce que... Eh bah ouais, quelque part son ours. Comment ça? Non, j'ai Mais non, pas jaloux comme ça. Non, jaloux, là, c'est mon frère. D'accord. J'avais dit fraternel. Mais c'est un ours, ça devient grand, hein, un ours. Mais moi, c'est la musique, pas forcément de Phil Collins qui me touche. C'est la musique que Phil Collins a refusé de chanter parce qu'il voulait que ce soit le groupe de chanteuses là. Ouais. Quand il chante en haut de la montagne. Samina Kinyotamu. Et puis tu vois les. Kinyotamu. C'est un truc comme ça. Et tu le vois avec les animaux. Je vais pleurer. Il y a les animaux qui lui tournent autour et puis il voit la beauté de la nature et puis il est pris. Mais c'est beau, il est attiré en l'air, mais en même temps, j'ai des frissons. Il se laisse porter en l'air comme ça et puis il y a le... cette espèce d'animation magnifique qui lui tourne autour à l'époque en plus. C'était, ouais, c'était vieux, super hein. beau. Et qui retombe. Et encore pire à la fin, quand il se retransforme un tout petit peu pour faire un câlin à son frère et que. Et la musique reprend pile. Oh, je peux pas. C'est... Non, mais ce film, il est. Et Pocahontas, il m'a pas fait pleurer, mais il est trop beau. Il est trop beau, ouais. Pocahontas. Tu penses comme moi. Le 2 derrière. General. Il y a vu le 2 c'est... Non. Bah, on regarde le pas. Non. Ouais, mais d'après ce que j'ai compris, c'était pour se rapprocher de l'histoire originale. Exactement. Ça. Et mais elle est pas cool, l'histoire originale. Mais comme le dit Mac dans notre Disney épisode dessus. C'est pas un mauvais film, c'est une mauvaise suite. Ça transforme le premier en détail en fait. Oui, oui, mais vraiment. L'extraction du 1 quoi. Ouais, complètement. Ils auraient fait un film avec une autre indienne. Pas de soucis, mais alors là. Sa sœur, un truc comme ça. Mais là on comprend pas. Et en fait, dans le premier, on la voit tomber amoureux de John Smith. Dans le deux, on la voit pas tomber amoureux de John Rolfe vraiment. On comprend pas. Même si à la fin, ils ont transformé John Smith en un gros con parce qu'il dit tu viens avec moi. Bah. Non. Voilà, tu vois, et puis du coup... Ouais. Et puis on a pris des chemins différents. Ouais, ouais. Non. Mais c'est la première rupture qu'on voit en plus. Oui, dans aussi. Ça. C'est... Et les musiques sont chiantes. Par contre, les musiques sont chiantes. Ouais. Bienvenue à Londres, quel est ce mystère. Ils savent pas chanter en plus, tu te rappelles. Où je n'y vous tiendra par la main. Le Disney épisode est parfait pour ça. Mac qui prend le micro, une de vraies chanteuses sont demandées dans le film.
Non, et puis c'est vrai que sa musique, elle veut nous le vendre, son single. Hein. Vraiment, tu le fais aussi dans Disney épisode, mais il y a une musique de Pocahontas, on l'entend 3 fois. Ouais. Et c'est pas vraiment comme... C'est un peu comme une reprise, mais ça reste le même rythme. Elle le chante au début dans la forêt. Je suis en train de défoncer l'œuf là. Quand elle est... Ah mais il faut. Hein. Quand elle est triste, quand elle est triste après qu'elle se soit engueulée un peu avec les villageois, elle la chante dans la forêt. Ouais. T'arrives à la fin, donc t'as le générique. Elle la chante dans la forêt. Mag qui dit oh, le générique. Et là, oh, oh ça, ça. Mais ta gueule mais... Et tu le fais en plus, ta gueule. Ah. Pardon, je suis bizarre. C'est ma boucle d'oreille, je précise, sinon ça, je viens de me faire verser, voilà. Et ma vie, c'est... J'ai pris une pomme. Donc voilà, bon, on est parti un peu sur un débat de tout et de rien, mais c'est pas mal non plus. Mais, frère des ours en live. Si c'est bien fait... Mais ouais, mais pas... Mais ça me ferait pas pleurer. Ils vont prendre des ours de synthèse. Bah ça c'est obligé. Non, c'est vrai. L'incroyable voyage... Au moins, il y aura un intérêt. Mais l'incroyable voyage, voilà, un film avec des vrais animaux rigolos. Ouais. Même comme Chien et Chat, ça a mal vieilli, mais ça me fait mourir de rire. Ouais. Comme Chien et Chat, tu l'as vu? C'est marrant. C'est trop marrant. C'est un chat, il est méchant, et il veut empêcher un mec de créer un médicament contre les allergies aux chiens, et il veut le changer pour que toute l'humanité soit allergique aux chiens, et c'est le méchant chat blanc dans son manoir. Et t'as les chiens qui vont dans la niche. Oui, c'est toi, Chelsea. Puis tu vois, des vrais chiens. Sauf à des moments où ils ont. Non, je crois qu'ils font bouger leur bouche. Mais ils parlent. Mais c'est quand même. Mais ça fait cartoon, donc c'est pareil. Oui, oui. Comme quand il prend un truc dans les fesses, il y a les yeux qui font. Il est sur Disney aussi? Non, c'est pas Disney. C'est pas un Disney, non. C'est pas un Disney. Mais il est peut-être sur une plateforme de VOD parce qu'il est ancien. Tu regardes. Le 2 est nul par contre, vraiment. Vraiment, le 2. Je savais pas qu'il y en avait un. Ouais, il y a un 2, le gentil du premier est devenu un chef dans le deuxième. Et la méchante est classe, c'est une espèce de chatte sans poil. Et elle est... Tu vois, elle est vraiment. Ce film là, qui est sorti, avec. Ah, c'est français. Ouais, je sais pas. Avec le Maine Coon là. C'est une femelle Maine Coon. Oui, et, oui, oui. Avec un chien. Ah ouais? T'as pas vu ce truc? Non. Ça a l'air drôle. Ça a l'air classique, mais drôle. Ouais. Et c'est, je crois que c'est le premier film français dans ce style. Si j'ai pas de bêtises, je crois. Mais non, il y a Garfield. C'est français? Garfield. Attends, tu me fais douter. J'ai un doute, moi. J'ai un gros doute. Hein. Parce que je sais que c'est Koei qui fait Garfield. La voix. Mais ah ouais, non, peut-être pas. Enfin voilà pour ce petit débat, c'était cool. Voilà, donc le Kinder, c'est du Kinder. Les jouets, mais franchement... Non, les jouets, ils abusent. Ouais, ouais, mais pour le prix, t'en as 2 quand même. Oui, mais tu sais pourquoi Ouais, mais c'est des jouets flippants. Tu sais pourquoi on tombe beaucoup sur les mêmes? Parce que je pense qu'il y a que 2 sortes. Contrairement aux petits, c'est peut-être des machines plus complexes pour les faire. Donc je pense que t'as Elsa, Anna, Olaf, et peut-être que t'as un autre Olaf avec Elsa. Peut-être, ça serait bizarre, mais je pense que c'est le cas. Comme là, tu vois, il y avait. Tu pas la collection où ils te mettent bah, ouais. comme perso. T'as vu, il y avait Mulan et. Je sais pas si je les ai encore, non, pas plus les avoir. Il y avait Mulan et Belle la dernière fois, mais sur les stickers, il y avait que Mulan et Belle. Donc est-ce qu'il n'y avait que Mulan et Belle dans la collection? Voilà. On verra l'année prochaine si on a des choses. Et ben voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était bien cool, c'était bien bon aussi, je mangeais pas ce soir. Ouais, on a pas fini, mais on se calme. Et il nous reste ça sur 2 œufs, hein, c'est pas mal. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas pour participer au concours de mettre en commentaire « Je participe », d'être abonné à la chaîne bien sûr, d'avoir Facebook, d'habiter en France, d'être majeur, c'est pas forcément obligatoire, mais que vos parents soient d'accord. Et on vous enverra, ben on vous enverra même ça, hein, comme ça, vous avez le petit jouet, et vous avez du coup... L'Assemblée Divine, hein. On y a joué et puis on a bien aimé, vous vous rappelez, on y a joué que 3 fois. C'est le loup-garou? Ah non, pas du tout, tout est dedans. C'est juste que c'est les créateurs du loup-garou qui l'ont fait. Ils ont équilibré de façon à ce que tu n'aies pas besoin d'être 7 ou 8, mais tu peux y jouer à partir de 6. Voilà, qui est très sympa quand vous connaissez l'univers, et même pas, il y avait des gens qui connaissaient pas le jeu, qui ont bien apprécié. J'essaierai de relayer cette petite partie vidéo sur les autres réseaux quand même. Et ben gros bisous! Bisous! Ciao!